Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo react du film Craven. Alors, c'est parti! Oui, le trailer est en VF, hein, si jamais. Mon fils, eux, ce sont des proies. Ouais. Nous sommes les prédateurs. Le garçon, votre mère est morte. Elle est morte parce que tu l'as mise dehors. Elle était faible. Le pouvoir appartient aux forts. La moindre faiblesse donne un avantage à nos ennemis. Tu le tires. Il est faible comme sa mère. Laisse-le. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? J'ai regardé la mort dans les yeux. Ils nous font pas une chiale, et pour la première fois, j'ai vu qui j'étais vraiment. Non, parce que là, ça fait très Parle-moi de ce chasseur. On raconte qu'il établit un lien avec les animaux pour traquer ses proies. Une fois qu'on est sa cible, impossible de lui échapper. On est 6 et toi, t'es tout seul. Vous êtes 6 pour l'instant. Pourquoi tu chasses? Mon père ne fait que répandre le mal. J'élimine ce mal. Tu es exactement comme notre père. Tu n'es rien d'autre qu'un chasseur en quête d'un trophée. On est des assassins. C'est pas ce qu'il nous a appris. Monsieur Tackling? Où est Monsieur Tackling? Oh, vous avez les pieds dedans. T'es un gros malade. T'as mis du temps à t'en rendre compte. Oui, doit tuer des gens. Il y a un animal en chacun de nous. Tu veux savoir pourquoi on m'appelle le Rhino? Donc, il y aura. Il y a autre chose ou pas derrière. Donc, il y aura le Rhino aussi. Ouais, bof. Enfin, je sais pas quoi dire sur le film. Ça a l'air un peu. Ouais, je connais pas le personnage. Ça fait très. C'est un héros et. Attendez, on va juste le remettre. Au moins. Parce que même là, dès le début, t'as l'impression que c'est un super-héros qui va tuer des. Un anti-héros qui va tuer. Des gens quoi. Okay. Les araignées, c'est très clairement pour nous rappeler qu'il est dans l'univers de Spider-Man, etc. Donc déjà soit parce que je connais pas du tout le perso, je sais pas s'il a des pouvoirs ou pas, mais t'as l'impression qu'il se connecte aux animaux, etc. Là, surtout là. Mon fils. Eux, ce sont des proies. Nous sommes les prédateurs. Et même là, j'ai l'impression qu'ils vont faire comme quoi Craven est gentil et qui va protéger les animaux presque tellement. J'ai rien contre, mais j'ai plus l'impression que ça. Quoi. Votre mère est morte. Elle est morte parce que tu l'as mise dehors. Elle était faible. Le pouvoir appartient aux forts. La moindre faiblesse donne un avantage à nos ennemis. Tu le tires. Oui, puis très clairement, oui. Là, sur la scène, ça fait vraiment. Craven va être faible et va vouloir protéger les animaux. Et après, il va. Voilà, déjà juste la scène. Il est faible. Ah, quoique je vous dis peut-être une bêtise sur le coup qu'il y ait quelqu'un qui fasse. Enfin, qu'il y ait le lion qui donne son sang et du coup ça devient. Qu'il soit connecté aux animaux.
C'est là, il y a une dame en soi. Est-ce que c'est pas elle qui va lui donner ses pouvoirs? Parce que je crois, si je me trompe pas, c'est qu'on lui donne ses, c'est qu'il obtient ses pouvoirs avec une potion ou quoi que ce soit. Comme sa mère, laisse-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, donc très clairement, ça va être voilà, il va être abandonné et il va être protégé par les animaux. Et ce jour-là, J'ai regardé la mort dans les yeux. Bah, en fait, non, je crois que je suis mitigé sur le fait de savoir est-ce qu'il va être connecté aux animaux par le sang ou la dame qui était tout à l'heure va lui donner en fait. Et pour la première fois, j'ai vu qui j'étais vraiment. Parle-moi de ce chasseur. On raconte qu'il établit un lien avec les animaux pour traquer ses proies. Oui, donc il est très clairement connecté aux animaux et ça va être voilà, il va un peu à parce que j'ai pas vu des autres vidéos de réaction. Est-ce que ça va pas être un peu comme Vixen dans DC? Je sais que Vixen, elle a ce côté voilà, où elle a la capacité de pouvoir utiliser la capacité des animaux, par exemple s'envoler, etc. Est-ce que ça va pas être pareil pour lui? Une fois qu'on est sa cible, impossible de lui échapper. On est 6 et toi t'es tout seul. Vous êtes 6 pour... Et juste, j'espère qu'il aura son costume dès le début. Pas que ça soit toujours, voilà, sans costume et juste, on montre les muscles et puis Pour basta. l'instant. Pourquoi tu chasses? Mon père ne fait que répandre le mal. J'élimine ce mal. Oui, donc il élimine le mal, etc. Oui, ça va être un gentil, le gentil héros. Voilà quoi. Super. On fait un film de super méchant, mais on transforme en héros quoi. Tu es exactement comme notre père. Tu n'es Ouais, donc le frère qui va peut-être être méchant ou être gentil ou qui va le faire revenir sur le droit chemin quoi. rien d'autre qu'un chasseur en quête d'un trophée. On est des assassins. C'est pas ce qu'il nous a appris. Monsieur Tackling? Où est Monsieur Tackling? Oh, vous avez les pieds dedans. Parce qu'ils ont beau dire comme quoi ça va être un méchant, vraiment, j'en ai pas vraiment l'impression. Alors ok, il tue, mais j'ai pas l'impression que ça soit un méchant. T'es un gros malade. T'as mis du temps à t'en rendre compte. Un animal en chacun de nous. Tu Ouais. veux savoir pourquoi on m'appelle le Rhino? Le rhino. Donc tu auras le rhino. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Je ne sais pas. Du coup, ça, il va être changé. Il va être. Je sais pas. Ça me paraît bizarre. Le film me paraît bizarre. Enfin bref. On verra à la sortie du film et s'il y a d'autres trailers, voir les autres trailers. Le film me hype pas du tout, hein, en vérité. Enfin, il me hypait au début en me disant, ouais, ça va changer de Venom, de Morbus. Mais là, j'ai encore l'impression que c'est un énième super vilain qu'on change en super héros, quoi. Mais à voir, quoi. Bon. Eh bien, je vous laisse et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.